Cette semaine, on parle de comment transformer les échecs en futurs succès. Un sujet très intéressant. Je me présente, mon nom est Dominique Blouin, je suis président de la firme Devidé. Devidé, on est une entreprise de développement de logiciels qui développe des solutions pour les manufacturiers, les distributeurs, les agents et les détaillants, spécialisés dans des solutions pour les équipes de vente, marketing et planification au niveau du commerce de détail. Chaque semaine, dans le Power Hebdo, on parle de sujets qui touchent l'utilisation des données pour vendre et qui touchent des façons de mieux gérer l'information et mieux gérer les processus en entreprise. Devidé, on est aussi l'équipe qui développe le logiciel Power, un logiciel qui permet de gérer les activités de vente, gérer les promotions, gérer les prévisions et surtout utiliser les données pour mieux vendre. Cette semaine, on parle de comment transformer les échecs en futurs succès. Alors, JF, parle-nous ça. Oh yes, donc je vais commencer ça en force avec une citation de Churchill. Le succès est l'art d'aller d'un échec à un autre sans perdre son enthousiasme. Oui, moi aussi, je vais commencer ça en force avec une citation de ma fille de 12 ans auquel j'ai dit ça hier. J'ai dit, Maëlie, le succès est l'art de passer d'un échec à l'autre sans perdre son enthousiasme. Puis là, elle m'a dit, ah oui, papa, justement, j'ai deux examens demain. Ça veut dire que je peux couler mes deux examens, mais si je reste de bonne humeur, ça va bien aller. Je dis, ah, c'est pas tout à fait ça, mais tu as compris le principe. C'est une grande attitude. C'est ça. Alors, on va regarder. Ah, ça, c'est un bel exemple. C'est ça. Donc, on va commencer ça avec une vidéo. Il dure 2 minutes. Excellent vidéo. Une autre piste de son, JF, une petite affaire. Là. Technically, it did land. Avoir les moyens de se tromper. Hein? Premier succès. Wow. Wow, excellent. Fait que ça démontre à quel point tu peux en avoir des échecs avant de réussir. C'est assez spectaculaire quand même. Bel exactement. C'est une vidéo moi, qui m'a beaucoup interpellé parce que ça c'est sûr qu'il y a eu les moyens de faire ça, là, mais ça démontre vraiment que si tu ne prends pas de risques, tu ne peux pas faire des grosses évolutions. Puis ben, SpaceX nous le démontre encore aujourd'hui massivement. Exact, exact. Donc, reconnaître nos erreurs, c'est un des facteurs clés. Donc, un vrai leader qui va reconnaître les erreurs, bien, ça va rappeler aux autres que la responsabilité s'arrête à eux. Il n'y a rien de pire qu'un leader qui déflecte les échecs sur les autres personnes. Il y a des personnes dans la vie politique qui font ça activement. Puis, c'est vraiment pas quelque chose que
quelqu'un va se faire respecter en faisant ça. Exact, parce que dans une entreprise aussi, là, quand on a des échecs, c'est des échecs d'entreprise. Il faut chercher des solutions à travers les façons dont on fait les choses, les processus, pas en finger-pointant des gens. C'est important de les reconnaître, mais aussi de les analyser. Je pense que c'est de ça qu'on va parler un peu aujourd'hui aussi. Oui, absolument. Donc, on a notre fameux Gary Vaynerchuk. Oui, ça, c'est moi, j'ai trouvé ce vidéo-là extrêmement intéressant, facile à trouver sur YouTube, Gary Vaynerchuk qui parle de l'échec. Il disait une chose intéressante, j'ai mis la citation en haut. Il y a beaucoup plus de choses qui vont mal au niveau volume. T'sais, on a beaucoup plus de micro-échecs dans notre vie. Exact. Que de succès. Donc, au day-to-day, les choses vont mal. On passe d'un petit échec à un autre ou d'un défi à un autre, mais overall, de façon générale, ça va bien. Fait que y a des gens qui vont rester dans le mindset de tout va mal, tout va mal, tout va mal. Mais dans le fond, quand on est dans un mindset de growth, on va être capable de reconnaître que tous ces micro-échecs-là nous mène en fait vers une réussite en général. Je trouvais que c'était super bien très bien dit, oui. Bien nommé. T'sais, au volume, tu as l'impression que tu as plus d'échecs, mais de façon en amplitude, l'objectif, c'est d'avoir plus de succès. Exact. Donc, il y a aussi le point, le renforcement de l'équipe. Donc, ça, c'est un super de bon point. Quand on arrive en leader, puis qu'on regarde les dirigeants qui reconnaissent les erreurs du passé, donc qui vont les reconnaître, qui vont se fier là-dessus pour essayer de ne pas les reproduire, bien, ça a été scientifiquement prouvé que les équipes vont être plus efficaces, plus sympathiques et surtout plus productives. Donc, ça met la table. Là. C'est vraiment une étude qui le dit. Mm-hmm. Je pense que c'est un point qui était intéressant aussi à mentionner. Oh oui, c'est ça. C'est prouvé, effectivement, là, que d'analyser les échecs, ça a un impact positif. Je fais un petit point. Je ne sais pas si on voit mon écran en ce moment. Oui, on voit bien ton écran. Hein? Donc, on regarde, par exemple, dans Power, là, je vais te montrer, faire un petit lien rapide. Si on regarde, disons que moi, je m'occupe de 10 000 comptes là, que je vends chez 10 000 clients. Mm-hmm. Est-ce que c'est plus utile de se mettre dans le mode gris? Tu vois, je me suis dans le mode gris. Je regarde les places où les ventes descendent. Ou dans le mode rose? Regarde les places où les ventes sont en augmentation par rapport à l'année passée. Il faut avoir la capacité de comme gestionnaire, comme représentant, de toujours regarder les éléments qui sont en décroissance, qui ont. Tu sais, on porte notre attention sur les problèmes, c'est normal. Et quand on va porter notre attention sur des problèmes, on va dire qu'est-ce qu'on ne fait pas bien ici? Et qu'on fait mieux ici. Fait qu'on va chercher les bright spots, mais il faut être capable de parler des dark spots. Et c'est cette capacité-là à avoir cette distance-là par rapport au problème, puis chercher des solutions qui sont des solutions structurantes qui vont faire en sorte qu'on va s'améliorer. Donc, il ne faut pas avoir peur de parler de l'échec, finalement. Bon point. Je te laisse apprendre la présentation, GF. Absolument. Est-ce que tu vois mon écran? Oui, on voit bien. On voit parfait. Bien. Donc, je voulais juste dire aussi, tu sais, des fois, on peut penser que tout va bien en surface quand on regarde le chiffre en haut, mais quand on regarde un peu plus bas dans les données, on peut se rendre compte que c'est juste un produit qui va bien. Fait que, tu sais, c'est d'autres opportunités aussi. Exact. Puis si tu... C'est un très bon point. Si tu regardes de façon... Tu fais juste regarder de façon générale, puis tu te dis, ça va bien, on a une croissance. Et que tu ne te concentres pas, par exemple, sur les éléments qui vont mal ou que tu ne regardes pas, peut-être qu'il y a un élément caché qui est en train de te gruger. Oui. Qui va venir te frapper plus tard. Très bien. Donc, un autre point que je voulais parler, c'est l'enseigne
L'échec enseigne de précieuses leçons. Ça, je lisais sur Inc.com, le site web de nouvelles très intéressantes. Il y a des firmes d'investisseurs en capital qui ne vont qu'investir qu'avec les personnes qui ont eu des échecs. Parce que pour eux, c'est beaucoup moins risqué d'investir en quelqu'un qui a su gérer les échecs, qui a eu un succès rapide sans nécessairement traverser les échecs. Parce que la journée que tu vas en avoir des échecs, je sais pas, est-ce que tu vas en avoir, c'est quand ça va arriver? Ouais. Et ça va être comment tu vas t'adapter à ça, puis comment tu vas réagir à ça. Il y a même. Exact. Excuse-moi, JF, je peux te dire, nous, en 19 ans d'existence, on a eu des échecs, là. On se souvient, on les connaît, on sait que ça a fait mal par bout, mais on a tellement construit de valeur à avoir vécu ces situations-là, puis avoir analysé, puis avoir construit des fondations pour pas que ça arrive. Quand tu as un échec, tu as toujours deux options, là. Soit tu abandonnes, soit tu te relèves, puis tu te sers de ça comme une leçon. C'est comme un enfant qui apprend à faire du vélo. Quand il tombe, s'il rentre dans la maison en pleurant, tu ne le remets pas sur le vélo, tu ne l'encourages pas. Il va peut-être apprendre à faire du vélo dans 2 ans. Donc, c'est la même chose dans une entreprise. Il faut vraiment prendre les leçons, puis se propulser sur ces leçons-là. Exact. Le même dire aussi qu'il disait dans l'étude que Jeff Bezos, là, quand il recherche des personnes pour accéder au rang de la direction, il va absolument trier sur les personnes qui ont eu des échecs dans le passé. Sans ça, il veut même pas les avoir en entretien. Donc, c'est Quand même, impressionnant. Quand même regarde impressionnant. ça avant l'éducation. C'est quand même fort. C'est quelque chose. Donc, rebondir rapidement, ça, c'est un facteur clé. Il y a aussi, comme tu disais tantôt, l'exemple de l'enfant qui apprend du vélo, mais c'est le même principe aussi quand tu fais du sport comme l'équitation. Quand tu tombes du cheval, ben, l'important, c'est de sécuritairement te remettre, là, mais après ça, c'est de te remettre tout de suite sur le cheval pour que tu puisses casser cette peur, cet échec-là pour tout de suite rebondir. C'est super important. Exact. Exact. Il y a deux notions dans ça, en fait. Tu sais, il y a le rebond, puis il y a le fait de tomber. Moi, en informatique, là, en développement de logiciels, on parle souvent de fail fast aussi. Donc, il faut s'organiser pour faire en sorte de tomber fréquemment, puis de se relever fréquemment. Si on tourne dans l'exemple de tantôt, dans Power, où on analysait les données. Imagine quelqu'un qui reçoit des rapports une fois par 3 mois. Peut-être qu'il aurait pu voir un micro-échec après une semaine, réagir, rebondir puis s'en servir. Là, il va avoir un macro-échec après 3 mois. Là, ça va être beaucoup plus difficile de rebondir. Donc, il faut essayer de mettre en place un processus de fail-fast. C'est pour ça qu'on parle toujours d'agilité. L'image est bonne parce que c'est beaucoup de petits bonds. C'est ça le Exact. principe. Il faut faire des bonds fréquents et s'en servir pour se propulser. C'est super intéressant. Une autre chose que j'aime dire, dans le fond, c'est quand vous avez des projets ou des choses comme ça, c'est toujours bon de le réduire au maximum, puis d'amener ça le plus vite possible à la réalité, dans le plus petit court laps de temps, puis de tester le plus rapidement possible avec les clients que vous avez si ça fonctionne. Parce que si ça ne fonctionne pas, faut pas le savoir après un an de travail. Faut le savoir. Exact. Puis je pense que je sais pas si c'est là qu'on est rendu, Jean-François, mais ça fait un segue intéressant sur la prochaine slide. Je viens de me venir une idée. Cette présentation-là sur le fear setting sur TED, là, elle est vraiment, vraiment intéressante. Mais il y a une citation que je vais aller chercher. Si tu me donnes juste une minute, là, je ne vais pas la présenter, je vais juste me la remettre en tête. Mais ce type-là dit aussi, c'est qu'on we suffer more in our imagination than in reality. Donc, on souffre beaucoup plus dans notre tête qu'en réalité. Donc, on va souvent être dans une position. Puis ça, c'est qu'à partir du moment où on se met à analyser des échecs, on pourrait tomber dans un mode où on vient paralysé. On ne veut plus agir par peur d'avoir des échecs.
Et on peut aussi se mettre à faire de l'anxiété, penser à des échecs potentiels. Ce type-là présente ce truc-là. C'est un gestionnaire d'entreprise qui a développé une stratégie. Là. On va inviter les gens à aller voir la vidéo sur TED. On va mettre le lien dans la présentation. Mais l'idée que dans la réalité, les échecs sont plus petits, plus fréquents, puis qu'on peut se propulser. Quand on commence à essayer de faire des planifications à long terme, on va souvent, dans notre imaginaire, empiler le problème 1, puis le problème 2, puis le problème 3, puis le problème 4. Fait qu'on est rendu avec un énorme problème avant même d'avoir agi. Donc, on ne bouge pas ou on suranalyse. Alors qu'en fait, quand on découpe ça en petits bonds, comme je disais tantôt, on va réussir à faire du fail fast puis rebondir rapidement. Des histoires d'entrepreneurs qui ont eu des échecs de toutes sortes, il y en a une tonne. Je pense que la très grande majorité ont eu des échecs avant de se rendre à un statut de succès. Exact. Fait que, tu sais, moi, j'inviterais les gens, on va mettre le lien, à aller voir cette présentation-là. Il y a un autre truc super intéressant, une autre référence. On a parlé, dans le fond, un peu de bright spot tantôt au niveau de la gestion du changement. On en a déjà parlé dans une présentation précédente. Vous irez voir ça aussi. Mm-hmm. On peut mettre les liens. Venez nous voir, nous poser des questions. Il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle Switch, qui parle de gestion du changement. Puis dans ce livre-là, on parle justement des échecs, de ne pas avoir peur d'analyser les échecs et de trouver des bright spots. Donc, comme on a vu tantôt, on regarde un compte qui va mal, un compte qui va bien, on fait du transfert. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est important d'analyser ce qui ne marche pas. C'est la place. Il ne faut pas juste fuir, il faut l'analyser de façon rigoureuse puis s'en servir. C'est ça, je rajouterais à ça avant de finir que tu sais, souvent on est porté naturellement à l'humain à dire bon, c'est quoi le succès? Je vais répliquer le succès. Mais en bout de ligne, c'est plus facile de regarder ça à l'envers, de regarder c'est quoi que le monde ne font pas pour atteindre un objectif. Ou c'est quoi les échecs que j'ai concrètement devant moi? Puis en comprenant les échecs, en les analysant, on va être capable de les réduire puis d'amener un succès par le bas. Tu sais. Fait que, à place de regarder comment on part. Puis, donc, juste de changer de mindset un peu, ça peut aussi nous aider à voir les choses différemment. Bien, super intéressant, JF. Merci beaucoup pour avoir ramené ce sujet-là. J'étais bien content d'en parler. Pour en parler pendant des heures, on a beaucoup de références. Si vous avez des questions, des commentaires sur Facebook, faites-nous des pouces en l'air. On met nos vidéos sur YouTube. Donc, vous pouvez aller sur YouTube, sur parois.zone aussi. Vous allez trouver dans la section blog les liens, surtout des vidéos qu'on a faites. Donc, si vous avez des idées de sujets, gênez-vous pas, des commentaires, des questions, écrivez-nous. Pour notre part, c'est tout pour cette semaine. Merci, JF. Merci, Dominique. C'était toujours un plaisir. Puis, écoute, on se revoit la semaine prochaine. Parfait. Bye-bye. Ouais,